Salut, on va modéliser deux nouvelles pièces de notre voiture. Pour faire ça, on va utiliser un plane. Du coup, on va faire un Shift A, on va importer un plane. On va faire slash pour placer notre plane au premier plan. Et déjà, lorsqu'on a ça, on va aller en Edit Mode. On va faire un Inset avec I. Du coup, on appuie sur la touche I comme ça. Et on va faire E, une extrusion sur l'axe des Z. Du coup, on fait un E et on déplace sur l'axe des Z. Un tout petit peu. On va faire ici un CTRL R. Là. Et on va déplacer ici vers le haut. Là, on va faire un CTRL B comme ça. Et on va augmenter le nombre de vertices. Ok, cool. On va à présent ajouter des edge loops de maintien ici et on va subdiviser tout ça. Du coup, on fait comme ça. On va smoother les vertices et on va aller sur la vue de dessus. On va faire un CTRL R ici. Et on va travailler avec le modifier Mirror. Du coup, on va supprimer les vertices ici. On fait un X, Delete Vertices. On ajoute le modifier. On ajoute le modifier Mirror que l'on va placer au-dessus ici. On va faire un CTRL Tab pour le mode de sélection de vertices et on va cliquer là. Ok, et donc je disais que on va extruder sur l'axe des Y. Comme ça. Ici, on va cocher le clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie. On extrude encore. On déplace comme ça. Et on déplace ici. Ici, on va faire un CTRL R. Et enfin, on va ajouter le modifier Solidify. Là, on va soit augmenter la thickness de manière négative, soit de manière positive. Donc, ici, je vais augmenter l'intérieur. Un tout petit peu comme ça. Ok, et là je pense que c'est plutôt bon. Je peux également ajouter le bevel un tout petit peu et mettre ici à 1. Une fois que j'ai fait ça, ici je vais supprimer ceci, du moins dissolve. Dissolve Edge. Et ici, je peux augmenter la résolution en mettant ici à 3. Là, c'est beaucoup plus lisse. Une fois que la pièce a été réalisée, on va faire slash pour faire revenir les éléments de la scène et on va la placer ici en bas. Je vais faire un scale comme ça. Je vais sélectionner mes éléments ici. Je vais faire un slash. Alors là, même la chaise sera là. Je fais un slash avec Shift maintenu. Et je vais placer ça ici et là.
là au-dessus, on scale, on déplace vers le haut, on scale, on fait un slash, on fait un shift maintenu, on slash, on sélectionne ça, slash. On déplace là comme ceci. Ici, on va un tout petit peu. Alors, tac, tac. Ici, on va un tout petit peu déplacer ça vers le haut. Ici, je déplace comme ça. Je fais un slash. Ok, c'est parfait. Et maintenant, alors c'est presque parfait. On va tout simplement baisser un peu ça. Alors ici, tac, 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 tac. On va baisser un peu ça. Là, ou alors tout simplement, on va mettre ça vers le haut. Ok, nickel. On va à présent. Alors ici, on va un tout petit peu scaler. On va à présent réaliser la pièce ici. Mais sauf que pour faire ça, on va utiliser une autre image de référence. Et donc celle qu'on va utiliser sera... Alors attendez, je regarde bien. Tac, tac, tac. Ici, non. Là, non. Ici, non plus. Et... là, ouais, mais c'est pas vraiment très cool. Du coup, c'est ouais, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Et donc, pour faire notre objet ici, on va tout simplement utiliser un cube encore une fois. Donc, on va faire Shift A, on importe notre cube, on part sur la vue de profil et on va éditer tout ça. On déplace là, on déplace ici et on place déjà notre élément au bon endroit. Donc là, on nous dit que c'est en dessous du siège. Et ça a une forme un peu rectangulaire. Du coup, on va faire un S, X. On déplace comme ceci. Et on va faire un slash. Du coup, on fait slash. Et on va aller en Edit Mode. On va faire Ctrl Tab pour aller en mode de sélection d'Edge. Et on va faire un bevel des Edges ici. Donc, je vais faire ça. Je fais un Ctrl B pour le bevel. Je mets à 1. Comme ça. Je peux également faire une fois... une pierre de coup avec l'autre côté. Je vais faire un contrôle B comme ça. Je mets à 1 pour le bevel. Et on a ça. Ok. Là, sur ma vue de profil, je peux également aller en wireframe et déplacer ici. Déplacer
faire un contrôle R ici, faire un SZ de 0. Ok. Déjà là, on a quasiment la même forme que ici. On va maintenant ouvrir une autre ref. Elle était assez longue celle-ci. Niveau long. Du coup, ici, open. Ici, cette ref. Ok. On me dit ici en haut, c'est lisse. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil Knife pour là en haut. Du coup, je fais un K ici et là. Je valide. Et je fais de même là. Donc du coup là, c'était pas, il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment nécessaire de le faire. Et donc je fais CTRL TAB, mode de sélection de face, je fais une sélection ici, je fais un SZ de 0. Là c'est parfait. Et donc sur ma vue de profil, je peux également aller en wireframe et faire un CTRL R ici. Je fais un CTRL A, un CTRL R, je fais glisser mon vertice, je fais un SZ de 0 comme ça, c'est parfait. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement créer cette partie ici, là. Pour faire cette partie, je vais venir là, je vais faire un CTRL R comme ça. Je vais aussi supprimer ici X delete vertice. Je vais faire glisser mes vertices ici vers le bas comme ceci. Et on va faire un box select ici. Vous voyez que déjà là on peut pas faire un bevel parce que il n'y a pas de matière ici, c'est pas rempli. Donc ici on fait alt et clic droit, on va désélectionner ici, ici on fait F. J'ai fait de même ici, je fais F, je pars sur ma vue de profil. En mode wireframe, je vais pouvoir faire un bevel. Donc là je fais un box select. Je fais un CTRL B comme ça. Et je remonte. Ok. Déjà là, c'est plutôt bon. Ce qu'on peut faire pour améliorer tout cela, c'est également arranger la topologie ici. Donc on peut utiliser l'outil Knife comme ça, comme ça. Ici. Ici et ici. On valide. Alors là, j'aurais pas dû mettre ça ici. Donc, je vais recommencer l'opération. Vue de profil, je fais un K. Je fais ça. Tac. Je pars sur ma vue de dessus. Je viens ici. Et je viens ici. Tac. Nickel. Je recommence l'opération. Je fais un K ici et là. Je mets un
ici. Je mets l'or ici. Là et là. J'appuie sur Entrée. Enter. Et donc, je fais avec le dernier. Le dernier, c'est celui-ci. Je fais un K directement à partir d'ici. Je vais là. Tac. Tac. Ici. Et là, je valide. Ok, là, j'ai une bonne topologie. Je vais pouvoir utiliser le modifier bevel. Vous voyez que le modifier bevel, il va arrondir tous les coins. Je vais venir ici. Je vais augmenter ça. Et je vais faire un smooth. Je peux également augmenter ici. Et c'est plutôt bon. J'ai fait un slash. On va à présent terminer en positionnant correctement notre élément. Du coup, on va changer de ref. On va prendre cette ref. Et ici, d'après ma ref, je dois encore scaler ça. Placer ça un tout petit peu plus haut. Sur ma vue de profil et en wireframe, je peux ajuster un peu tout ça. Ici, en faisant SY. Alors, ça, c'est pas cool de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est déplacer un tout petit peu la chaise en arrière et déplacer notre élément un peu en arrière. Du coup, là, on déplace comme ça. On va également sur les autres faces commencer et c'est plutôt pas mal. Et donc avant de terminer cette vidéo, on va faire une partie qu'on n'a pas fait dans une vidéo précédente. Et donc cette partie c'est ceci. Donc on va le faire assez rapidement. En Edit Mode, après avoir sélectionné notre curve, on va faire un Shift A et on va importer un autre path. Ce path, on va le placer ici, en vue de face. On va placer ça ici. On va scaler avec un Alt S, pas. On va faire comme ceci. On va supprimer ça et ça avec un X, Delete Vertices. On déplace notre premier élément, on déplace notre second élément, on fait L et on déplace comme ça. Ici, en vue de face, on va tout simplement déplacer vers le haut. Et donc, je fais ça, je fais ça, je fais déplacement sur l'axe des X, je fais un autre ici et on a ça. Pour le moment on va laisser ça comme ça avec la curve. On va finaliser sûrement ça dans la vidéo précédente.
Du coup, je pense que niveau moteur de notre engin, c'est plutôt OK. On fait de nouveaux slash. On a déjà quasiment terminé la modélisation de notre voiture. Tout ce qu'on va rajouter, c'est tout simplement un élément que je pense que c'est nécessaire. Du coup, je vais venir ici. Et là. Je vais rajouter un cylindre qui va quitter d'ici et arriver de l'autre côté. Là, c'est mon ajout personnel. Du coup, je fais Shift A, je viens cylindre. Je laisse ici à 16 et je laisse nothing. Je vais faire une rotation sur l'axe R X de 90 degrés. Je scale comme ça. Je me déplace. Je pars en vue de profil et je pars en wireframe. Du coup là, je fais mon G. Je me place ici. En vue de dessus, je vais faire S. X comme ça. Je fais un slash. Je fais D contre R ici. Et je smooth. Je fais un subdivision surface. Je smooth. Là, je vais. Alors ici, je vais placer ça en bas. Alors, vue de face, wireframe. Ça va être un peu bizarre. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de ce genre. Ok, ça a un sens. Je vais faire slash, vue de face. Ici, je vais faire une extrusion et je vais déplacer ça comme ça. Extrusion encore, je déplace un tout petit peu. Je fais de même de l'autre côté. Ou alors, je peux utiliser le mesh symmetrize en sélectionnant tous mes vertices. Je pars dans mesh. Je pars sur symmetrize. Et je vais faire 2x à moins x. Je fais CTRL-R ici. Je fais un autre CTRL-R ici. Et je fais un slash. En Legend Mode, je vais un tout petit peu déplacer ça vers le haut. Et en Legend Mode toujours, je vais. Alors, ici, ça ne doit pas être visible. Je fais Alt et clic droit et je déplace vers l'intérieur. Je fais un slash. Je regarde à quel niveau c'est et c'est pas bon. Du coup, je fais ça. Tac. Alt et clic droit. Je fais slash. Pas visible. Et je recommence ici, tac et tac, x à moins x avec un slash. On a ça avec ma vue de profil. Je vais pouvoir dupliquer ça avec un Shift D. Je place l'autre ici. Sauf qu'ici, je vais faire Alt et clic droit ici. Je vais faire un V ici, un LX du vertice, un LX du vertice. On resélectionne le tout, on fait un S, X. Juste là, L. SX.
SX. Vue de profil. On déplace comme ceci. Shift C. Ok, nickel, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va faire cette partie de la voiture de notre personnage. Ciao.